Aïe. Ah. Ma jambe. Mais... Où est-ce que je suis? C'est quoi cet endroit? Faut peut-être que... Faut peut-être que j'aille frapper à cette porte. Oui, allez-y, entrez. Bonjour. Montez à l'étage, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, un visiteur. Ça fait des années que je n'en ai pas vu, sérieux, c'est... Très longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Mais comment t'es arrivé ici? Genre, t'es bienvenu, non? Si, mais juste, je sais pas comment, en fait. Je sais pas comment je suis atterri ici, je vous jure. T'es vraiment chelou comme type, hein. Déjà, tu viens dans ce trou paumé, y'a jamais eu personne ici, à part personne, et t'es là, toi, tu viens et... t'es bizarre. Pourquoi tu fais que souffrir? Regarde, cette position n'est pas naturelle, t'es au courant? Mais juste, je suis tombé très haut et puis juste, je me suis foulé la cheville et puis ma jambe, elle est cassée. Ma jambe, vraiment, vous sentez les os, vous sentez... Voilà, c'est les sons qu'ils font, parce qu'ils sont déglingués! Donc vous savez comment vous êtes arrivé ici, si vous êtes tombé... Vous me mentez, c'est ça? Mais je sais pas, j'ai aucune idée de comment je suis... Ok. Ils me traitent de bizarre, quoi. En fait, c'est eux qui sont bizarres. Pourquoi ils disparaissent comme ça, là, ces bandes de psychopathes? Saleté de chambre. Qu'est-ce qu'il y a en cette boîte aux lettres, là? De toute façon, il est plus là, ce truc. Ok. Ok. Pourquoi il y a une tête de Pâques ici? Ça doit être une maison. Faut que j'aille taper. Monsieur, pourquoi vous êtes là pour rire? Mais qu'est-ce que vous faites ici, dans ce trou paumé? Je sais pas, juste je suis tombé, puis juste je suis foulé à cheville, vous entendez ça? C'est la deuxième fois que je suis... J'ai bien arrêté de faire écouter aux gens ta cheville qui craque et qui meurt. Mais je saute, vous voyez pas? De toute façon, vous êtes un rhinocéros, vous subissez pas la douleur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pas dû... J'aurais pas dû... Oh, je vous jure, si ce caillou, c'est une maison... Bonjour. Bonjour. Hein? Mais... Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu regardes un caillou? Où est-ce que vous êtes? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, j'explore ces lieux inconnus. Bon, attends, viens chez moi, ma maison cosy est cool. C'est quoi ça? Je sais pas. Tu vas te dépêcher, oui, là tu mets 10 ans, là, mais mec, écoute, j'ai pris 12 rides. Je suis quand je suis arrivé ici.
T'es qu'elle pas tombée. Bon, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là? Je sais pas, moi. Pourquoi tu sais pas qu'est-ce que tu fais là? Parce que je sais pas. Si t'es là. J'ai vraiment aucune idée. Juste, j'étais là en train de dormir. Et du coup, t'étais en train de dormir, ouais? Tu faisais quoi? En dormant. Je rêvais de beaucoup de trucs. Je rêvais de. Je rêvais de lampes à l'huile, de cordes, de bombes. Vous voulez ça? C'est vraiment pourri comme rêve. J'espère bien que tu te plantes un couteau dans le nez. Pourquoi vous disparaissez? C'est une ambulance! Qu'est-ce qui arrive à cette porte handicapée là? Qu'est-ce que. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait? Comment je vais faire encore? Hein? Pourquoi c'est toujours moi que ça arrive, les sons? Comment que j'ai une photo de Lionel Messi? Y'a quelqu'un? Comment? Hein? Oh, oui, entrez! Oh non, il y a encore un type qui va entrer en même temps. De l'oxygène. Hein? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour monsieur. Ça fait longtemps qu'on n'a vu personne ici. Vous pouvez m'aider, il y a quelque chose dans ma maison. Attendez une seconde, vous avez un problème à la jambe? Vous allez bien? Non. Ok. Je vais aller voir d'abord ce qui se passe, ça va? Si vous m'entendez crier ou entre les gens, venez m'aider s'il vous plaît, parce que moi... Ok. C'était des jambes. Heureusement, l'air me soulage. J'arrive! J'espère qu'il y a des 1000 médicaments, ce truc. Hein? Qu'est-ce que. C'est moi, ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah!